On utilisait les bains-douches et autrement, quand on était enfant, il y avait une grande bassine à la maison, dans la cuisine. On faisait chauffer l'eau dans la cuisinière parce qu'il y avait un compartiment dans la cuisinière pour faire chauffer l'eau. On mettait l'eau chaude dans la bassine, on rajoutait de l'eau froide et puis on lavait les trois mômes dans la même bassine. Hein. Alors les bains-douches, c'est venu, les bains-douches sont venus après la guerre. Donc là, j'ai les souvenirs d'aller aux bains-douches quand, bah, là, je devais avoir 10-11 ans, peut-être. 10, 11 ans, 12 ans. Et c'était bien parce que là, au moins, on pouvait aller se laver entièrement. Les premières années, on rentrait peut-être en cabine avec notre père qui nous lavait, des choses comme ça, parce qu'on devait pas. Ils avaient peut-être peur que de nous laisser tout seul, enfermés dans un truc comme ça. Et puis après, on allait à dos, là, avec les copains, on allait se laver là-dedans, quoi. Alors, on allait une fois par semaine. C'était pas tous les jours. C'était pas tous les jours. Donc une fois par semaine, on prenait son ticket et on allait se laver dans les bains-douches. Et il y avait du monde. Le samedi, il y avait du monde. Alors nous, on allait souvent le vendredi soir parce que le samedi, il y avait trop de monde. Bah, c'était le jour, avant le jour du Seigneur, on allait se faire une beauté.